Bé, doncs iniciem, si us sembla, l'obertura d'aquest seminari sobre estandardització i variació lèxica que la secció filològica organitza amb la finalitat de poder debatre amb veus d'altres territoris el tema de la variació lèxica en l'estandardització. Us dono la benvinguda en nom de l'Institut d'Estudis Catalans i deixeu-me fer unes reflexions prèvies sobre el tema, ja que la deformació professional em porta també a parlar sobre alguna cosa d'estandardització i lèxic. És un fet que totes les llengües presenten variació lèxica, variació tant territorial i social com funcional. Però així com la variació social discrimina en grups culturals, la variació territorial discrimina en parlars. Parlars que en la mesura que s'aïllen poden arribar a separar-se del conjunt. En el cas del català, la manca d'un espai comunicatiu comú afavoreix la fragmentació dels parlars en el sentit d'estranyesa, perquè no estem habituats a sentir un altre parlar que no sigui el nostre, almenys de forma freqüent. Establir un estàndard comú en situacions d'una normalitat lingüística sense entrebancs és un procés que, en teoria, es produeix de manera natural, només en teoria. La variació, diuen, s'autoregula en vistes a una comunicació conjunta, apropiada i eficient. Deixant de banda ara si aquests processos, entre cometes, naturals, d'autoregulació, estan exempts o no de valors associats a les varietats que tenen a veure amb les jerarquies, en situacions territorialment fragmentades són necessàries algunes mesures que, a falta d'un espai comunicatiu comú, intentin compensar els biaixos jeràrquics sobre les varietats. En el cas del català, i gràcies a l'adaptació de la proposta de Fabra, el valencià i el baleari, per obra de Sanchis Guarner i de Francesc de Borja Moll, abans de la dictadura que es va produir a Espanya, es va acceptar consensuadament un estàndard que havia partit del pes de la demografia i de la producció cultural d'una varietat. En una situació posterior de prohibició dels usos públics i formals de la llengua, no es va posar en qüestió amb explicitud aquest model d'estàndard, però amb el reconeixement de les comunitats amb llengües pròpies, separades administrativament i amb forts interessos polítics, sobretot amb la creació d'organismes alternatius que tenien com a missió inicial fragmentar una llengua, es necessiten pactes i consensos per evitar les tendències a la divisió. En aquest panorama, l'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, ha actuat en l'estàndard en dos eixos. El primer eix ha estat l'afirmació d'una variació àmplia però controlada en la qual s'hi sentin identificats els parlants de les diverses varietats. Un estàndard ampliat que eixampla la noció tradicional vigent. En segon lloc, el segon eix, en la cerca de consensos sobre la necessitat de treballar a favor de la unitat de la llengua, més enllà de la pura retòrica. Aquests i altres temes són els que s'abordaran en aquest seminari, organitzats en dues jornades, que se centrarà en la variació lèxica i que compta amb les mirades des dels territoris que han hagut de plantejar-se aquesta qüestió de tensió entre la unitat i la varietat. Per tant, us agraeixo en nom de l'Institut l'organització d'aquest seminari a la secció filològica i la participació dels ponents que han volgut debatre amb nosaltres sobre aquesta qüestió. Moltes gràcies. Passo la paraula al Miquel Àngel Pradilla. Bé, molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies, presidenta. Bé, parlo com a membre de la Comissió d'Estandardització i també, diguem-ne, com a coordinador del seminari. Del seminari sobre estandardització i variació lèxica. A veure, la Comissió d'Estandardització intenta posar llum, oferir elements de debat, coneixement al procés d'estandardització de la llengua catalana, no? Aquest procés seqüenciat de selecció,
codificació, difusió, elaboració, de la manera de Haugen, per exemple, no? Dins d'aquest marc, en aquesta ocasió hem organitzat un seminari que posa el focus en aquest duet de llengua, de norma i variació, en definitiva, amb estandardització, però en el vessant lèxic. La veritat és que és un privilegi, deixeu-me dir-ho d'entrada, poder comptar amb una nòmina d'intervinents, tant de professionals tan reconeguts com els qui han acceptat de participar-hi. Després hi ha un par de presentacions, sempre sumàries, però m'hi referiré amb una mica més de detall. Què ens interessa, en definitiva? A veure, estem parlant d'una nòmina de llengües que posarem, la tradició idiomàtica de les quals la posarem damunt de la taula, la posaran els ponents damunt de la taula, on hauríem pogut triar d'altres llengües, però fixeu-vos que d'una banda en tenim tres, que són llengües hegemòniques, en el sentit de llengües amb gran quantitat de parlants, amb situacions de dominància gran per poder bastir el seu futur, la seva comunicabilitat. Estem parlant d'un espanyol on parlem d'un cert pluricentrisme piramidal, hi ha qui en diu. Estem parlant d'un portuguès brasiler, on hi ha una bicentricitat, sembla que poc coordinada, estem parlant, en definitiva, d'un francès, que era el paradigma d'una estandardització unitarista, però on hi ha, evidentment, tota una sèrie de reivindicacions, entre les quals destaca la del Quebec. Més enllà d'aquestes tres realitats, dic, tenim el romanès, una llengua ja de dimensions semblants a la llengua catalana, encara que una llengua amb un estat al darrere, també amb les seues problemàtiques específiques en relació amb la variació interna. Certament és una llengua especial que s'incorpora a la romanística fins i tot tardanament, amb unes especificitats. Tot plegat, jo crec que ens dona un mosaic interessantíssim per poder-lo analitzar. Com s'ha dit, ja és una activitat aquesta amb dues sessions, una la que farem avui, on establirem el corpus de continguts que seran avaluats en la sessió del dia 24. On sotmetrem anàlisi crítica i a un diàleg entre experts, també les consideracions que s'han fet aquí. Què volem obtenir d'això? Bé, volem obtenir informacions de com han anat avançant aquestes tradicions per tal de mirar, d'adaptar, en la mesura que sigui possible, projectar allò que ens diran a la nostra realitat, la realitat de la llengua catalana. Una realitat, no oblidem, que està marcada per una situació de minorització lingüística. I això ens obliga, d'alguna manera, a establir models específics, models propis, on aquesta condició, sense cap mena de dubte, requereix una atenció extraordinària. A partir d'aquí, tenim aquesta pluricentricitat que cada vegada s'està posant damunt de la taula en el món acadèmic, avaluar-la, i ja us dic, per a fer això comptem amb persones que seran un autèntic luxe. Seguirem el següent ordre. En primer lloc intervindrà el professor Luis Fernando Lara, en segon lloc intervindrà el professor Julvan Müller de Oliveira, seguirà la professora Nadine Bensant i finalment tancarà la ponència de la també professora Ròdica Safiu. Prèviament m'han ensinistrat en la pronunciació dels seus noms. No sé si ho he fet prou bé. Per tant, això seria tot. Vull donar-vos la benvinguda a tots els assistents. Entenem que el seminari ha tingut una requesta, una atenció important, i a partir d'aquí confio que els continguts que s'hi exposaran seran ben satisfactoris per a tothom. Moltes gràcies. I jo crec ja que sense més preàmbuls ja puc passar a la primera de les ponències, la del professor Luis Fernando Lara. Bé, si us he dit que és un honor tenir-vos a tots aquí, per a mi, des del meu punt de vista, és un honor especial
poder comptar amb la presència del professor Luis Fernando Lara, que ha estat, diguem-ho així, una de les persones de referència en la meva formació sobre temes de prescripció, estandardització, etc. I, per tant, no vull deixar-ho de destacar en aquest moment. Luis Fernando Lara és un lingüista, investigador i acadèmic mexicà que col·labora en el Centro de Estudios Lingüísticos Literarios del Colegio de México. Bé, doctorat honoris causa pronunciat de Sherbrooke, d'on prové la Nadine Vincent, membre emèrit del Sistema Nacional d'Investigadores a Mèxic, Premi Nacional de Ciències i Arts, diguem-ne, és una persona llorejada i molt respectada en un món de la lingüística general on no tothom té les mateixes opinions i les mateixes mirades sobre la llengua. Jo us destacaria algunes obres, des d'aquella, el concepte de norma lingüística de l'any 1976, jo diria que una obra seminal de molta actualitat, des d'aquesta obra a obres com Llengua històrica i normativitat, aquestes reflexions teòriques, epistemològiques interessantíssimes, el Diccionari de l'Espanyol de México, l'Història mínima de la llengua espanyola, o darrerament amb molta productivitat també, no? La teoria semàntica i mètode lexicogràfico o la herència lèxica de l'espanyol de México. Bé, estem davant d'una persona, vaja, que ha fet escola, ha proveït de doctrina a molts d'investigadors i els qui, d'alguna manera, tenim un paladar semblant al d'ell, el seu guiatge ens ha il·luminat moltíssim. Professor Lara, teniu la paraula. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero comenzar ante todo por darles las gracias por la invitación, el honor de volver a entrar en comunicación con el Instituto de Estudios Catalans, con usted, profesor Padilla, con mi muy querida María Teresa Cabré. Voy a compartir la pantalla. Debo comenzar diciendo que desde que publiqué mi libro El concepto de norma en lingüística, ya en aquel lejano 1976, he señalado una confusión terminológica de la lingüística hispánica en el uso del vocablo norma. Se trata de una voz polisémica con dos significados: regla que rige el uso, pero también uso común, acostumbrado o normal. Esa confusión procede de la famosa obra de Eugenio Cosseriu, Sistema, Norma y Habla. El problema terminológico para la lingüística consiste en la confusión del uso con la regla, de donde se saca la consecuencia de que el uso se convierte en norma, y por eso, cuando se habla de la norma hispánica, la norma mexicana, etc., se piensa que los usos comunes, por ese solo hecho, adquieren el valor de normas, es decir, los usos se establecen como normas. Yo afirmo que en estos casos no se debe hablar de normas, para no confundir lo que es con lo que debe ser, sino precisamente de usos más comunes en una comunidad lingüística considerada en un estado determinado de la lengua. Pensar que a partir de esos usos se pueda establecer una norma, un conjunto de reglas de uso para una lengua o para un dialecto de esa lengua, es desconocer el complejo problema social que supone una selección de variedades. En consecuencia, sostengo que no hay algo como la norma de una lengua. Los mejores ejemplos de lo que son las verdaderas normas son las normas ortográficas. Son normas precisamente en el sentido de reglas y son necesarias para conservar la inteligibilidad del sistema de escritura, que no solamente se rige por el principio fonológico, sino que históricamente heredó adecuaciones de grafías basadas en la etimología y en el uso común. Claros ejemplos de normas ortográficas son las que regulan la distinción en castellano de las letras B y V, el uso de H, la distinción entre Y y Y, y para los hispanoamericanos,
las distinciones entre C, Z y S, considerando que se trata de regiones ceseantes. Igualmente, son reglas las normas de conjugación de verbos irregulares, de régimen de las preposiciones, etc. Son los objetos de la gramática normativa. Todas estas normas son puntuales, rigen ciertas letras, ciertas conjugaciones, ciertas relaciones de coordinación o de subordinación de las oraciones, ciertos regímenes proposicionales, etc. En todos esos casos, las normas operan para regular desviaciones del sistema lingüístico debidas a diferentes estados históricos de las culturas de las lenguas. Pero desde ahora señalo que no es el caso del léxico. El léxico de una lengua no está estructurado como el sistema lingüístico. El vocabulario forma parte del sistema en cuanto a las reglas morfológicas y morfofonológicas que lo constituyen, pero no las palabras mismas. El léxico está siempre abierto al cambio y la variedad como efecto de los procesos adaptativos de las sociedades. En consecuencia, el léxico no se puede normar de la misma manera que la ortografía y la gramática. Consideremos que los usos lingüísticos de una comunidad no nacen de la noche a la mañana, ni son convenciones creadas por esa comunidad. Para toda comunidad lingüística, los usos con los que se comunica y se entiende son usos heredados a lo largo de las generaciones, producidos por la necesaria adaptación de las lenguas a las experiencias pertinentes para esa comunidad. Por ejemplo, al estudiar la historia del español de México, se puede descubrir usos mexicanos actuales cuyo origen se puede documentar al menos desde el siglo XVII. Por eso yo he insistido en que no hay normas en el sentido de usos comunes, sino tradiciones. Tradiciones verbales, tradiciones discursivas, como lo he venido planteando a partir de la teoría del lenguaje de Eugenio Cosserio, una rica teoría diferente de su teoría lingüística estructuralista, de la que forma parte precisamente la tricotomía de sistema, norma y habla, y también de Brigitte Schlieben-Lange, una de sus más destacadas alumnas. Las tradiciones verbales provienen de decantaciones en el sentido químico del vocablo, no en el de la prensa española actual, decantaciones históricas y tendenciales de los usos. Hechas estas aclaraciones, paso al tema de la variación léxica y el pluricentrismo. Se ha vuelto ya parte de la comprensión de la lengua española actual el hecho del pluricentrismo. No desconozco, ética y políticamente hablando, la diferencia necesaria en el Estado español entre castellano y español, ni mucho menos la justeza de la reivindicación del catalán. En principio, el hecho de que la lengua española sea lengua nacional de 21 países permite afirmar a priori que cada uno de ellos constituye un centro de la lengua, que tiene unos usos comunes provenientes de sus tradiciones verbales propias, de los criterios y procedimientos seguidos en su educación, de las de sus tradiciones jurídicas, de los usos políticos, periodísticos y comerciales que organizan el entendimiento país por país, del papel que tienen los medios de comunicación, etc. Esas tradiciones verbales, nunca fijas, siempre sometidas a variación y cambio, corresponden a la evolución histórica de cada país. Si lo enfocamos en términos lingüísticos estructurales, digamos que en cada país de lengua española se ha formado un dialecto nacional, junto con los dialectos regionales del castellano en España y los múltiples dialectos del continente hispanoamericano, a partir de los muy variados procesos de colonización en América, del peso mayor o menor de las comunidades aborígenes en la formación de las colonias españolas, y de las características demográficas, políticas y económicas
que han tenido estos países durante los 300 años de colonia y ahora los 200 años de vida independiente. También he venido proponiendo que podemos considerar la existencia de dos clases de tradiciones verbales, tradiciones cultas y tradiciones populares. Cada país tiene una tradición culta y varias tradiciones populares, pero no son estancas, se nutren entre sí, como lo podemos comprobar especialmente en la lectura de obras literarias, jurídicas, de medicina, de ingeniería, prensa, etc. Lo interesante es que hay una tradición culta hispánica, compartida por los 21 países de lengua española, heredada de la historia del castellano desde su formación hasta la actualidad. Es esa tradición culta la que nos permite comprender una obra de Juan Goytisolo o Julián Marías, de Carlos Fuentes o Juan Rulfo, de Gabriel García Márquez o Álvaro Mutis, de Jorge Luis Borges o César Aira, etc. La preocupación histórica por el riesgo de que la lengua española se fragmente en diferentes lenguas, que ha dado lugar al valor de la unidad de la lengua, este artículo que está aquí en la bibliografía para una reconstrucción de la idea de la lengua española, propongo que en la historia del español hemos tenido tres valores principales. Ante todo, el valor del entendimiento, que es un valor que proviene de la Edad Media. En segundo lugar, el valor de la identidad, que proviene de la obra de Antonio de Nebrija. Y en tercer lugar, el valor de la unidad, que, diría yo, proviene de Hispanoamérica, sobre todo de la obra de Andrés Bello. Entonces, este riesgo de que la lengua española se fragmente en diferentes lenguas lleva a la Academia Española a insistir en fijar la norma, pero se ve superada por la existencia real de la tradición culta hispánica que no se puede fijar, que varía con el tiempo. Hoy no se escribe como lo hacían Benito Jerónimo Feijóo, Blanco White, o Servando Teresa de Mier, pero los entendemos y se nutre de usos contemporáneos aceptados tendencial y valorativamente por las comunidades hispánicas, no por las academias. Hay una relación de mutua influencia entre esa tradición culta hispánica y las tradiciones cultas de los 21 centros lingüísticos. Hay transmisión de usos entre unas y otras. Esa inteligibilidad entre la tradición culta hispánica y las nacionales solo se vería dañada si se interrumpiera la comunicación culta entre los países, a lo que me referiré más adelante. Pero también he propuesto en otros momentos que además del pluricentrismo innegable, hay una multipolaridad de la lengua española. Es decir, que hay ciertos polos de difusión de los usos de determinadas tradiciones verbales que no corresponden totalmente a los centros nacionales. Es lo que me parece en el caso de España. Si es Madrid la que determina la educación de la lengua, la discusión política y el horizonte internacional de difusión de su castellano, es Barcelona, desde su industria editorial, quizá la más poderosa actualmente en el mundo hispánico, un polo más del castellano, sin agraviar de ninguna manera el carácter nacional del catalán y su difusión. Seguramente estoy simplificando por desconocimiento de la manera de operar de su industria editorial, sobre todo en lo referente a correctores, normas de estilo y traductores. Según datos que obtuve del Instituto Nacional de Estadística de España, en 2019 se editaron 64.154 títulos, de los cuales, según GenCat, 19.043 se produjeron en Cataluña. Por lo tanto, es claro que España tiene al menos dos determinantes polos del español, Madrid y Barcelona, que difunden sus usos. No he encontrado datos acerca del papel de las llamadas industrias de la lengua en todo el ámbito hispánico.
la producción de televisión, de radio, etcétera, en los 21 países hispanohablantes, es central para formarse una idea de la actuación de los polos de difusión del español contemporáneo. En cuanto a la producción editorial, supongo que sigue siendo cierto que la producción editorial española es equivalente a la de toda Hispanoamérica. No he podido encontrar datos contemporáneos de la producción editorial y de la exportación de libros entre los 21 países hispanohablantes. En 1996, el 33% de la producción hispanoamericana era argentino, frente al 29% mexicano y el 11% colombiano. En 2004, España exportaba libros por 869 millones de dólares, mientras México ganaba 125 y Colombia 113. Las exportaciones españolas son predominantes en toda América. Argentina es la principal exportadora a Chile y es posible que las exportaciones de los otros polos hispanoamericanos también tengan ciertos mercados predominantes. Para formarse una idea más adecuada del papel de la industria editorial hispánica, hay que tomar en cuenta que ahora se hacen tirajes del mismo libro en cada país para reducir los costos, sin que eso signifique algún tipo de adecuación a los usos nacionales. En consecuencia, podemos considerar como probable que Madrid, Barcelona, Buenos Aires, México y Bogotá sean sendos polos de difusión del español escrito, pero quizá en cuanto a producción de programas de televisión y radio, México supere a los demás países hispanoamericanos. Como probables polos de difusión del español, habrá que incluir también a Los Ángeles, Nueva York y Miami, aunque Estados Unidos de América no sea un centro de la lengua. La Academia Norteamericana de la Lengua cree que hay un español estadounidense, pero no hay estudios que lo prueben. Se habla español, pero las comunidades hispanohablantes, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, antillanos, españoles, parecen conservar sus dialectos originarios y no han construido una coiné del supuesto español estadounidense. Así que el mundo hispánico es pluricéntrico y multipolar. A partir de mi experiencia en la elaboración del Diccionario del Español de México, que me permite observar diariamente los usos en México y también en obras y periódicos procedentes de otros países, así como comparar los datos que ofrecen el corpus de referencia del español actual, el corpus del español del siglo XXI y nuestros dos corpus del español mexicano contemporáneo, creo comprobar que el léxico de la tradición culta hispánica y los léxicos de las tradiciones cultas nacionales no son suficientemente distintos como para suponer una fragmentación policéntrica del español. Quizá de esa suposición provenga el deseo de fijar una norma léxica. Si leemos escritores contemporáneos de cualquiera de nuestros países, obtenemos una comprensión casi total de lo que dicen. Y aun cuando necesariamente utilizan vocablos de las tradiciones populares, una característica histórica del español, generalmente el contexto permite llegar a comprenderlos. Si hubiera diccionarios integrales nacionales de la lengua de cada país, la comprensión sería mayor. Además, los lectores generalmente aprecian con gusto esas pocas diferencias. Pero hay otros ámbitos en los que predominan las tradiciones populares locales, los vocabularios de la vida cotidiana, la literatura de entretenimiento, por ejemplo, novelas policíacas, de autoayuda, incluso novelas de base histórica, revistas de modas, etcétera, originariamente escrita en español y también traducida de otras lenguas, y las obras audiovisuales de entretenimiento, cada vez más influidas por la industria estadounidense, con las correspondientes industrias de doblaje y subtitulaje que nutren las plataformas actuales de Netflix, Amazon, etcétera.
Cuando cualquier hispanohablante viaja por otros países de la misma lengua, va de sorpresa en sorpresa, encontrando vocablos que desconoce. En Lima, por ejemplo, se dice recojo de equipaje en el aeropuerto, mientras en México es entrega de equipaje. Si un mexicano puede decir que algo enorgullece a su padre, un peruano dirá que lo engríe. Las casacas peruanas son las chamarras o los rompevientos mexicanos. El chandal español es la sudadera mexicana. Puede producirse una carestía de lluvias en Perú, mientras en México es una escasez. Recuerdo lo que me sorprendió leer en un letrero frente a un terreno baldío en Lima, terreno intangible, o también ver que un archivo reservado se llama archivo intangible. Ha causado hilaridad entre algunos viajeros en México que los camiones que cargan materiales de construcción se llamen materialistas y en consecuencia se encuentren letreros en las calles que dicen prohibido el paso a materialistas, por lo que han comentado burlonamente que México es un país muy metafísico, tanto como los peruanos y sus terrenos intangibles. En España y en Argentina se dice rotonda al círculo que se construye en los cruces de varias avenidas, cuando en México se llama glorieta. Los valeros o rodamientos mexicanos se llaman en Argentina rulemanes. Las tiendas misceláneas de México son los polirrubros argentinos. Hoy se está extendiendo en México el anglicismo de tienda de conveniencia. Los locales en que se reparan los neumáticos, llamados en México llantas, se llaman en Argentina gomerías, en México vulcanizadoras. Los coches de alquiler mexicanos son remises en Argentina y Perú. No me extenderé a la ilimitada variedad léxica que encontramos en cada país según sus regiones históricas. El español del noroeste de México es relativamente distinto del del norte y del noreste. El de la costa del Pacífico entre Sonora y Guerrero, diferente del de la región del Bajío, Guanajuato, parte de Jalisco, etc. Lo mismo se puede decir de todas las regiones hispanohablantes del mundo. La variedad léxica es tan inabarcable en el mundo hispánico y está tan definitivamente ligada a las experiencias históricas y a las influencias que puede recibir cada región o cada país, que es imposible ya no proponer, sino siquiera pensar en una estandarización del léxico hispánico. El vocabulario de tradición culta está relativamente recogido en los diccionarios integrales y sigue valiendo como un horizonte de significación para los hispanohablantes, pero es un horizonte, no es una frontera o una delimitación estandarizada del léxico. Los de tradición popular son en su gran mayoría poco conocidos, debido a la falta de investigación, ya que todavía predomina en la lingüística hispánica la idea del diccionario contrastivo y diferencial, como los diccionarios de americanismos, que gravitan en torno a un supuesto español general cuyo contenido nadie ha definido. Solo la elaboración de diccionarios nacionales e integrales y regionales podrá darnos una idea de la variedad léxica del español actual. Desde hace tiempo se viene hablando en el mundo hispánico de la conveniencia de publicar ciertas obras en ediciones por país, precisamente como reconocimiento de las diferencias léxicas en cada uno de ellos. Si hacerlo pudiera parecer inevitable, se estaría impulsando una diferenciación mayor en todo el mundo hispánico. Hoy día, en televisión y cine, se ofrecen doblajes o subtítulos de películas en, dicen, español de España o en un confuso e inexistente español de Latinoamérica, que solo tiene como característica el ceseo, pues se filtran en él las tradiciones verbales locales según el país de procedencia del traductor. Espero que mi diagnóstico global sea correcto. Supongo que son estos últimos casos
de la industria del entretenimiento los que llevan a desear una normalización del léxico en el mundo hispánico. Se trata también de ese deseo cuando se busca el llamado español neutro, supuestamente desprovisto de vocablos nacionales o locales y basado en construcciones gramaticales rígidamente apegadas a la gramática de la academia o de su vicaria, la Fundación del Español Urgente. No hay tamiz para filtrar los usos del español policéntrico y multipolar hasta volverlo neutro. Dejemos aparte el campo de las terminologías científicas y técnicas en que siempre hace falta una convención bien estipulada, tanto del término como del concepto que se construye con él, con objeto de que el discurso especializado sea unívoco, preciso y claro. En consecuencia, lo que se puede observar en el español actual es la presencia de dos fuerzas, una centrípeta determinada por la vitalidad de las tradiciones cultas y una centrífuga determinada por la gran variación de las tradiciones populares. Estas dos fuerzas están siempre presentes en las historias de las lenguas. Desde mi punto de vista, en la medida en que se conserve la dinámica de las tradiciones cultas mediante la educación, el fomento de la cultura de la lengua y la elaboración de diccionarios nacionales integrales, como nuestro Diccionario del Español de México, que permitan la comprensión de sus tradiciones culta y populares, no hace falta plantearse una normalización léxica. La Academia Española ha fracasado siempre en sus esfuerzos por imponer tal normalización dirigida desde Madrid. Hoy día prefiere aparentar el respeto al pluricentrismo, aunque obras como el Diccionario de Americanismos demuestren lo contrario. Ciertamente son las empresas de televisión, de plataformas de entretenimiento, de traducción, doblaje y subtitulaje, así como las redes de Twitter, Facebook y WhatsApp, las interesadas por tal normalización. Lo que comprobamos ahora es que utilizan sistemas automatizados de corrección ortográfica, gramatical y léxica, elaborados por ingenieros a partir de cálculos probabilísticos basados en corpus y en una aplicación rígida de normas académicas. El resultado es que comienzan a suplantar el papel de la Academia Española y de las agencias educativas del mundo hispánico, con menos criterio, pero con mayor alcance, y tienden a impulsar un analfabetismo funcional que consiste en una capacidad mínima para construir oraciones, un conocimiento reducido del vocabulario y un desconocimiento del sistema de escritura y sus reglas, puesto que basta con escribir un esbozo de oración para que el sistema haga las correcciones necesarias. Ese es un riesgo presente, contrario a la libertad, a una educación ilustrada y a la cultura. Solo impulsando la educación y la cultura de la lengua se podrá conservar la unidad del español, no de otra manera. Muchas gracias. Bé, moltíssimes gràcies, professor Lara. Molt didàctica, molt entenedora la seva intervenció. En prenem molt bona nota. Com que el temps el tenim molt pautat, procedeixo a la presentació del següent ponent. Es tracta de Jules Van Muller de Oliveira, benvindo. És professor de la Universitat de Santa Catarina, màster per a la Universitat de Constança, Alemanya, doctor en lingüística per a l'UNICAM, postdoctorats diversos a Mèxic, a l'Índia, a Rússia, etc. Ha tingut responsabilitat en tasques de gestió importants a nivell governamental. Va ser coordinador de l'IPOL, de l'Institut de Recerca i Desenvolupament en Política Lingüística, entre els anys 2002 i 2010, director executiu de l'Institut Internacional de la Llengua Portuguesa, ubicat a Cap Verd, 4 anys, entre el 2010 i el 2014, i avui coordina la càtedra UNESCO sobre polítiques lingüístiques
per al multilingüisme amb 25 universitats de 16 països dedicada a investigar diferents facetes del multilingüisme. Molt vinculat a la temàtica d'avui, participa també en la coordinació del vocabulari ortogràfic comú de llengua portuguesa. Professor Julgan Müller té la paraula. Muito obrigado, então. Muito boa noite a todos e a todas que nos escutam. Eu vou tentar aqui projetar o meu PowerPoint, de modo a nós podermos avançar na discussão. O meu ponto nesta ponência é tratar de uma mudança paradigmática na forma de gestão do léxico da língua portuguesa, a partir do vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, decorrente do Acordo Ortográfico de 1990. Antes, no entanto, duas notas parciais. Uma primeira questão, no caso do Brasil, é que o Brasil está na categoria dos países com maior migração interna, e se é verdade que o número de migrantes internos diminui a cada década, também é verdade que a complexidade das direções das migrações se complexifica. Isto, como sabem, tem múltiplas repercussões no léxico à medida em que as variedades se encontram e se conectam em diferentes ambientes. Também o Brasil passou por grandes migrações campo-cidade, portanto, por processos de urbanização, que também tiveram um efeito centralizador em termos de léxico. E, por último, avançou a escolarização. O Brasil atingiu a escolaridade universal das crianças em 1997 e, portanto, também o acesso à escrita traz convergências no âmbito lexical. Isso pode ser visto, por exemplo, quando comparamos a diversidade lexical em um atlas linguístico de 1965, o Atlas Prévio dos Falares Baianos, de Nelson Rossi, com uma obra monumental terminada em 2014, que é o Atlas Linguístico do Brasil, elaborado por múltiplas universidades, enquanto que, por exemplo, no Atlas Prévio dos Falares Baianos encontrávamos 6 palavras no território do estado da Bahia para arco-íris, encontramos apenas uma palavra sobrevivendo em 2014 no Atlas Linguístico do Brasil. Portanto, uma grande diminuição da variação lexical decorrente dos processos sociológicos que eu acabei de citar. Uma segunda nota é sobre a funcionalidade e a tradição dos dicionários em língua portuguesa, a partir, como sabem, do vocabulário português e latino de Bluteau, foi a primeira grande obra lexicográfica, depois transformada no primeiro dicionário monolíngue do português, o Moraes Silva, em 1789, com uma segunda edição de 1813, que vai ser muito importante para a fixação do léxico no século XIX, que vai permitir vai influenciar toda a tradição dicionarística do século XIX, momento em que podemos começar a ver uma dualidade na tradição lexical entre Brasil e Portugal. Assim, por exemplo, o adjetivo brasileirismo aparece apenas no dicionário Caldas Aulete, de 1881, e a partir daí essa diferença lexicográfica se aprofunda. No caso do Brasil, várias obras regionais são importantes, como, por exemplo, a coleção de vocábulos e frases de Coruja, primeira obra publicada neste âmbito, que permite, então, a inclusão de léxico brasileiro paulatinamente nas novas obras lexicográficas, dando sustentação a essa dualidade da tradição, das duas tradições lexicográficas. Essas tradições lexicográficas se aprofundam com a ruptura ortográfica de 1911. Em 1911, Portugal propõe uma reforma ortográfica que não é seguida pelo Brasil. A partir daí, a ortografia divide-se em duas, e a partir dela, todas as demais tecnologias linguísticas se tornam duais: 2 dicionários, 2 gramáticas, 2 nomenclaturas gramaticais,
finalmente, depois, dois certificados internacionais de proficiência linguística que não se reconhecem mutuamente, e assim por diante. Este problema tem diferentes soluções ao longo do século XX, mas somente em 1990 é que se chega ao chamado Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que, ao mesmo tempo, provoca uma mudança metodológica na forma de fazer acordos ortográficos ou reformas ortográficas, que deixam de ser negociadas apenas entre Brasil e Portugal, deixam de ser bicêntricas e contam com a participação de todos os países de língua portuguesa, então, independentes. Portanto, o acordo ortográfico torna-se, pela primeira vez, um acordo internacional multilateral para a fixação da ortografia. Embora aqui estejamos falando de ortografia, estamos tratando, na verdade, de um instrumento que terá amplas repercussões sobre a gestão do léxico. Na transição do que seriam duas línguas nacionais, português de Portugal e português brasileiro, para uma língua internacional. Esta nomenclatura, língua vernácula, língua colonial, língua nacional e língua internacional, decorreu de um curso que eu dei sobre uma história político-linguística do português, tentando captar exatamente como os modos de gestão da língua, como a sua territorialidade permite fixar modos associados a estes diferentes territórios que se configuram em cada caso. Portanto, assumimos que o português, com o acordo ortográfico, começa uma transição de uma língua nacional ou de duas línguas nacionais para uma língua internacional com gestão comum. Por quê? Porque uma das características das línguas internacionais, são muitas, não vou trazer todas aqui, mas eu diria que a mais relevante para a nossa discussão aqui é o fato de que há pressões para transformação no modo de gestão e vários modos anteriores tornam-se obsoletos quando esta demanda por internacionalidade entra na discussão político-linguística da língua. Portanto, poderíamos postular que o português foi uma língua monocêntrica até o século XIX, emerge como uma língua bicêntrica no final do XIX para o século XX, e nesse momento faz uma lenta transição para uma língua pluricêntrica, que tem repercussões, sobretudo, por causa das profundas mudanças demolinguísticas do português, de uma língua que nasce na Europa, que torna-se populacionalmente dominante na América do Sul, para, em seguida, agora transitar para uma dominância populacional africana. Como sabem, é na África que as línguas mais crescem, é na África que está o maior crescimento demográfico daqui para as próximas décadas, e isso terá muitas repercussões para o português também. Assim, de uma situação atual em que temos cerca de 270 milhões de falantes, com 76% dos falantes concentrados no Brasil e 4% em Portugal, passaremos a uma situação em que apenas 45% dos falantes estarão no Brasil. Por quê? Porque a população de Angola, Moçambique e outros países africanos está em crescimento exponencial. Isto vai nos permitir chegar, segundo os dados da Divisão de População das Nações Unidas, a uma situação em que a maioria dos falantes da língua portuguesa estará no continente africano em 2100. Evidentemente, isso tem repercussões no sistema de normas da língua. Temos hoje um sistema de normas com um predomínio do português brasileiro e do português europeu. O português europeu concentra poder geopolítico pelo fato de que os países africanos e Timor são tributários da norma portuguesa, mas, paulatinamente, vemos emergirem normas africanas da língua, em especial as normas de Angola e Moçambique, países que terão populações próximas à população do México no ano de 2100. De modo que configura-se uma transformação no sistema de normas da língua portuguesa, e essa transformação no sistema de normas exige um outro modo de gestão. É por isso que o acordo ortográfico marca
uma transição paradigmática para outro modelo de gestão. E este acordo, que foi assinado em dezembro de 1990, entrou em vigor em 2010, foi implementado de modo diferenciado nos países, ainda não é realidade em Angola e Moçambique, mas já é realidade em Cabo Verde, Portugal e Brasil. É um processo em países que não tinham tradição de intervenção no campo da língua, são países novos, apenas independentes em 1975. E quem ficou com a responsabilidade de fazer a gestão do acordo ortográfico e do vocabulário ortográfico comum é o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, agência linguística de outra organização internacional, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que eu diria que o português, nesse sentido, tem uma gestão muito original, porque essa gestão é feita por uma entidade internacional paritária e multilateral. A cada 4 anos, o diretor do IUP é originário de um país diferente. Todos os países financiam o Instituto e ele não pertence a nenhum país especificamente. Muito bem. O vocabulário ortográfico comum é uma demanda do acordo ortográfico, é uma lista lexicográfica que aplica as bases do acordo ortográfico, de modo a permitir que o leitor, que o falante da língua, tenha certeza sobre o modo como as bases foram aplicadas, mas o vocabulário ortográfico foi produzido de uma maneira que passa também por uma validação, digamos assim, em bases de dados eletrônicas da língua portuguesa e se transforma num instrumento eletrônico padronizado, aberto, gratuito, acessível na internet e reutilizável. Tínhamos antes o vocabulário ortográfico do Brasil, feito pela Academia Brasileira de Letras, e o VOP, o vocabulário ortográfico de Portugal, realizado pelo Instituto de Linguística Teórica e Computacional, o ILTEC de Portugal. O que o VOC fez foi, então, pedir a cessão do vocabulário português e a cessão do vocabulário brasileiro e consolidá-los numa única base, mas teve também por objetivo validar, por exemplo, o vocabulário brasileiro. O que é validar o vocabulário brasileiro? A Academia Brasileira de Letras tinha um grande corpus lexicográfico de diversas origens, portanto, de origens muito heterogêneas, sem um controle a partir de dados verificáveis em corpora eletrônicos. Então, com a cessão do vocabulário brasileiro para a Academia Brasileira de Letras, o corpus da Academia passou por uma filtragem pelo corpus lexicográfico do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional da Universidade de São Carlos, e o NILC, que é a base lexical usada no corretor ortográfico da Microsoft do Brasil. Além disso, passou por uma filtragem pelo corpus brasileiro de Berber Sardinha, da PUC de São Paulo, uma base de dados comprovada por várias fontes, e isso deu a este vocabulário, então, que o Brasil cedeu para o VOC, uma nova qualidade em termos de coerência, em termos de comprobabilidade no léxico. Os corpora dos países novos, que não tinham vocabulário, como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, deviam, então, passar por uma sistemática comum, serem coletados na internet, capturados na internet, portanto, em materiais reais, na proporção de 20% de texto literário, 25% de texto jornalístico, 25% de textos legislativos, 25% de textos técnicos e 5% de proveniências variadas, de modo que cada corpus pudesse ser coerente em termos de estilos e gêneros textuais. Obtivemos, assim, um corpus com representatividade, com balanceamento, com diversidade e com tamanhos previamente especificados. Um efeito importantíssimo deste esforço foi que países como Timor-Leste, que se tornou independente apenas em 2002, pôde também desenvolver o seu vocabulário
O vocabulário de Timor-Leste tem cerca de 30 mil palavras e 600 palavras foram incorporadas de maneira nova na língua portuguesa a partir de Timor-Leste. Podemos dizer, então, que o vocabulário ortográfico comum foi a certidão de batismo de 600 palavras novas de proveniência timorense para a língua portuguesa. Esta atuação estendeu-se também a reivindicações da Galiza, a partir da Academia Galega da Língua Portuguesa. A Galiza realizou também o vocabulário ortográfico da Galiza, só que não pôde ceder ao VOC, porque a Galiza não é membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, embora agora a Espanha tenha se associado à CPLP como membro observador e, portanto, possivelmente este esforço da Galiza possa ser aproveitado para o enriquecimento da língua portuguesa com este léxico já preparado. Igualmente, o vocabulário permitiu a publicação do primeiro dicionário de português de um país africano, o dicionário de português de Moçambique, surgido a partir do vocabulário ortográfico de Moçambique, o VOMOLP, desenvolvido pela Universidade Eduardo Mondlane, segundo a sistemática do VOLP. Isso mostra, então, uma criação de capacidade nos demais países de língua portuguesa para uma descentralização da ação sobre o léxico, ainda que de forma ordenada. Um outro efeito foi a criação do Conselho da Ortografia, que é também multilateral, e que doravante fará a gestão ortográfica da língua portuguesa. Isto é, os países cederam a sua soberania, tanto para o caso de futuras reformas ortográficas, como para o caso da gestão do vocabulário. Agora o vocabulário é gerido de uma maneira internacional, ainda que compartilhado. Eu gostaria, então, só para finalizar, de mostrar a plataforma do VOC, atualmente em uso, que é uma base de dados lexicográfico com aproximadamente 350 mil palavras, em que a pessoa que consulta pode entrar pela bandeira dos países, por exemplo, pode entrar pela bandeira do Brasil e encontrar aqui o vocabulário ortográfico do Brasil, ou separadamente pode procurar o vocabulário ortográfico de Moçambique, pode também consultar um vocabulário comum, em que estão consolidadas estas bases de maneira comum, permitindo várias pesquisas e permitindo a utilização desse léxico em múltiplas novas aplicações. O vocabulário ainda trabalha com a toponímia, então o vocabulário consolidou a seção da toponímia de todos os países de língua portuguesa numa única base, fazendo a gestão da ortografia da base toponímica. E também, muito importante, permite a gestão das formas não adaptadas, isto é, dos neologismos que se incorporam à língua, porque permite, então, ver como é que esse neologismo será incorporado de uma maneira comum, de uma maneira segura e de uma maneira coerente com as bases ortográficas da língua portuguesa. Este instrumento está em contínuo desenvolvimento, e significa para a língua portuguesa também uma inovação muito grande na gestão do léxico. Eu diria, no entanto, que eu concordo com o professor Lara, que esta é uma das formas de estandarização do léxico, uma forma muito interessante pela forma como os países, então, cedem soberania e passam a gerir isso numa base comum internacional, mas eu concordo com o professor Lara que um ponto a ser observado com muito cuidado é como ocorre a estandarização a partir das big techs, a partir das grandes empresas transnacionais da internet, que têm um alcance muito maior, têm uma penetração muito maior na sociedade do que uma base desse tipo. Portanto, uma ideia interessante seria como é que nós poderíamos, ao mesmo tempo, realizar uma base moderna, contemporânea, como esta, com todos os critérios científicos de comprobabilidade, e negociar com as big techs
que as Big Techs passassem a utilizar um vocabulário como este numa série de atuações que possivelmente tenham. Para concluir, eu diria, então, que esta mudança paradigmática na gestão do léxico tem várias implicações sobre a estandarização, tanto na mudança de agentes, quem é que estandariza, como na circulação da própria língua portuguesa, na medida em que ela aproxima os países e permite diversos tipos de reutilização do material, e, me parece, é um modelo original em relação às línguas românicas, de uma forma multilateral, de uma forma paritária, de uma forma horizontal, de trato com o léxico e com a sua estandarização. Então, agradeço muito a atenção e fico à disposição para possíveis perguntas daqui a pouco. Muito obrigado, professor Jurban. Molt interessant la intervenció. Intentar posar ordre, certament, a una situació d'una complexitat tan extrema. Jo diria que també amb una tradició idiomàtica molt singular, amb diferències clares. Hem vist que la hispanofonia funciona d'una manera, però la lusofonia funciona d'una altra, més enllà d'aquesta voluntat de presentar uns cossos comuns per a la llengua. Crec que anem avançant correctament amb dues mirades, la mirada des de Mèxic, la mirada des del Brasil, que ens van aportant certament coses també molt interessants. Moltes gràcies. Bé, continuarem amb la professora Nadine Vincent. És doctora en lingüística per la Universitat de Sherbrooke. Des de l'any 2000 treballa dins del grup de recerca Francus, que va elaborar el Diccionari General de la Llengua en línia des de març de 2013, que es va actualitzant cada setmana i va dinamitzant llengua i costums. No? Diguem-ne, és un posicionament crític als diccionaris publicats a França. Són, en definitiva, una mirada que ens ofereixen des del Quebec, on també qüestiona, diguem-ne, la incorporació d'anglicismes, no?, adoptats per França a costa d'expressions ja existents en la llengua francesa, cosa que sembla una paradoxa, no?, per a un grup, el Quebec, en definitiva, no?, que es comunica en un entorn geogràfic predominantment angloparlant. Bé, ja sabeu que la realitat sociolingüística catalana ha tingut sempre una mirada molt posada en la acció sociolingüística des del Quebec, tant en la planificació de l'estatus com en la planificació del corpus. Per tant, ens interessarà moltíssim tot allò que ens pot explicar d'aquest grup de treball, de la seva universitat, que en definitiva és una mica el focus de reivindicació d'aquesta especificitat lèxica en el món francòfon. Té la paraula. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très honorée de me retrouver en Catalogne grâce au monde virtuel, puisque, comme vous venez de le dire, il y a eu des relations très importantes entre le Québec et la Catalogne, notamment grâce à Jean-Claude Corbeil, qui nous a quittés en janvier dernier. Alors, je vais vous parler, j'ai traduit autant que possible mes diapositives, ce qu'il y avait d'important à dire, mais là, je ne vois rien. Bon. Donc, je vais vous parler de la standardisation de la variation au Québec. Forcément, je vais vous parler de la langue française de façon plus générale aussi. Alors, je commence par des rappels historiques. Le Québec a été peuplé par la France et donc le Québec a été un territoire français de 1534 à 1763. Mais après, le Québec a été conquis par l'Angleterre et c'est très important pour comprendre notre rapport à la langue. Et donc, le Québec est devenu un territoire britannique avec le traité de Paris en 1763. Donc, pour comprendre le français du Québec, il faut toujours se demander c'est quoi son rapport avec le français de France, je dirais même avec le français de Paris plus précisément, et quel est son rapport avec l'anglais. Donc, au moment de la conquête, les liens entre la France et le Québec sont coupés pendant près d'un siècle.
Au moment de la conquête, le français du Québec ressemble beaucoup au français de Paris, donc il n'y a pas encore de variation. Mais cette coupure pendant un siècle va entraîner des changements puisque les deux français vont évoluer de façon différente. Alors, quand les Québécois et les Français vont reprendre contact en 1855, les Québécois, l'élite du Québec, les lettrés québécois, on s'entend que la population, les agriculteurs continuent à vivre leur vie et ne se préoccupent pas de la langue qu'on parle en France, mais les lettrés québécois vont se rendre compte que leur français n'est plus le français de Paris et vont être très inquiétés par cet état de fait, puisque entourés d'anglophones, une insécurité linguistique importante va s'installer, voyant que le français du Québec n'est plus le français de France. Alors, chez les lettrés, chez l'élite, il va y avoir trois types de réactions différentes. Donc, la réaction des lettrés. D'abord, certains lettrés vont penser qu'il faut éliminer toutes les caractéristiques du français québécois et qu'il faut recommencer à parler comme en France. Donc, Raoul Rinfret, qui va faire le dictionnaire de nos fautes contre la langue française, dit « Il nous faut apprendre le français tel qu'il est parlé en France. Je suis forcé de condamner bien à regret toutes nos expressions et nos caractéristiques employées ici parce qu'elles ont vieilli ou changé de signification en France. Si nous commençons à nous écarter du véritable français, tel qu'il est parlé, y compris de nos jours, en conservant nos archaïsmes, où nous arrêterons-nous? » Alors, on voit ici cette conception que vous avez aussi en espagnol et en portugais, de voir qu'il n'existerait qu'un seul vrai français et que ce serait le français parlé en Europe et plus précisément à Paris. Alors, c'est la première position des lettrés, de certains lettrés, et cette position normative, puriste, va donner naissance à toute une série de dictionnaires qui sont des dictionnaires correctifs, donc qui sont des dictionnaires qui ont pour objectif d'éliminer tout ce qui est québécois et de revenir vers le français de France. Cette lignée de dictionnaires encore des traces aujourd'hui, puisqu'on a encore des dictionnaires aujourd'hui qui nous disent « faites attention, corrigez tel usage, puisqu'on ne parle plus comme ça en France, donc ce sont des caractéristiques québécoises qu'il faudrait éliminer. Autre position, donc deuxième position de certains linguistes, c'est à nous de décrire notre langue. Donc, Benjamin Sulte, qui était historien et journaliste, va dire en parlant de l'Académie française, « Les 40 membres de l'Académie sont des bonhommes usés qui n'ont guère quitté la ville où ils gagnent leur pain et par conséquent sont d'une ignorance modeste sur le reste de l'univers. Et ce sont de semblables maîtres d'école qui nous enseigneraient comment appeler un portage, des raquettes, un aviron, toutes choses dont ils ne connaissent rien. » Donc, une partie des lettrés résiste à l'Académie française. C'est un dictionnaire qui est utilisé chez les lettrés au Québec. Et on dit ce n'est pas à Paris, ce n'est pas aux académiciens de nommer nos caractéristiques. Oscar Donne, lexicographe, va dire la même chose sur un autre ton. Supposons que j'amène un des 40 immortels, que j'amène un des membres de l'Académie française dans la cabane à sucre, dans la cabane d'une sucrerie, pardon, que je fasse de la tire en son honneur, donc la tire, c'est ce que vous voyez au milieu, qu'on fait avec le sirop d'érable, et que je lui demande comment il appelle cette opération. Le dictionnaire auquel il a collaboré ne lui donnera pas la réponse. Et cependant, il faut un mot pour dire la chose, mais la France, ignorant la chose, n'a pas pu nous fournir le mot. Nous l'avons donc créé, c'était notre droit. Donc, c'est un droit pour les Québécois de nommer ce qui leur est propre. Bon, on était au 19e siècle, on ne parlait à ce moment-là que des particularismes. On verra que maintenant, au 21e siècle,
même les réalités communes, on veut au Québec pouvoir les nommer à notre façon. Donc, cette deuxième position a donné naissance à une autre série de dictionnaires, les dictionnaires différentiels, donc les dictionnaires de canadianisme, de québécisme, les dictionnaires qui ne recensent que les mots propres au Québec. Et ça aussi, c'est une tradition de dictionnaires qui existe encore aujourd'hui. Le plus récent est le dictionnaire historique du français québécois de l'Université Laval. Et à l'Université Laval, ils sont en train de préparer une réédition. Donc, c'est encore une façon de voir la langue que de ne regarder que les particularismes du français québécois. Troisième avenue, troisième façon de voir, qui apparaît dès 1906. Et c'est Adjutant Rivard qui était juge, mais aussi lexicographe, qui va dire ce dictionnaire général, donc de toute la langue française vue du Québec, n'est pas fait encore, il n'existe pas, mais nous ne croyons pas qu'il soit téméraire de l'entreprendre. Essayons de greffer sur le vieux tronc du français une tige canadienne pleine de sève, saine, vigoureuse, et espérons aussi longtemps qu'il faudra. Alors, cette vision de la langue a aussi donné naissance à une série de dictionnaires, ce sont les dictionnaires de langue générale qui décrivent l'ensemble de la langue française, mais vue du Québec. On a au Québec des dictionnaires de langue générale depuis 1957. Au départ, c'était des dictionnaires français adaptés pour le Québec, auxquels on ajoutait quelques mots québécois. Mais depuis Usito, le dictionnaire auquel j'ai collaboré, qui est donc disponible, complété depuis 2013, là, le dictionnaire est entièrement conçu à partir d'un corpus de textes québécois. Et il est important de savoir qu'en dehors de la France, le Québec est le seul État francophone où on fait des dictionnaires de langue générale. Bon, donc je fais un saut dans le temps parce qu'on a bien vu qu'au 19e siècle, c'était des individus, c'était des lexicographes et des lettrés qui s'occupaient de la standardisation de la langue, mais que quand même, dès le 19e siècle, on ne se référait pas toujours à la France pour savoir comment nommer nos particularismes. En 1961, on assiste à la création de l'Office de la langue française qui s'appelle aujourd'hui l'Office québécois de la langue française. Donc, pour cette nation minoritaire en Amérique du Nord, donc pour le Québec, langue, culture et identité sont inextricablement liées. C'est dans cet esprit que le gouvernement de Jean Lesage a créé le ministère des Affaires culturelles et l'Office de la langue française en 1961. Au départ, la mission de l'Office se résumait en une ligne. Il fallait veiller sous la direction du ministre à la correction et à l'enrichissement de la langue parlée et écrite. Bon, la correction et l'enrichissement, on est encore dans un rapport à la France en disant quels sont les usages au Québec qui sont différents de la France et qu'il faudrait corriger et quelles sont nos faiblesses en vocabulaire. En quoi la France pourrait nous aider à enrichir notre vocabulaire. Mais depuis 1961, les choses ont beaucoup changé et la plus récente mission a été mise en 2002, mais ça donne une idée. Je vous en donne seulement quelques exemples. Maintenant, l'Office québécois de la langue française doit définir et conduire la politique en matière d'officialisation linguistique, de terminologie et de francisation de l'administration et des entreprises. Et ça se fait sans se référer à la France. L'Office doit aussi veiller à ce que le français soit la langue habituelle et normale du travail, des communications, du commerce et des affaires dans l'administration et les entreprises, et doit aider à définir et à élaborer les programmes de francisation prévus par la loi et de l'application. Bon, la mission de l'Office est beaucoup plus élaborée. Ça maintenant, beaucoup plus riche que ça, mais je voulais attirer votre attention sur trois de ces mandats où il est question de standardisation, où il est question
de normalisation, d'établir une norme. Et là, c'est la norme du français en usage au Québec et ce n'est absolument pas la norme plaquée, copiée sur le français de Paris. Tout ça se fait de façon autonome. Alors, dans quel domaine est-ce que l'Office québécois de la langue française intervient particulièrement et dans quel domaine est-ce que le Québec se distingue du reste de la francophonie? Il y a, par exemple, la féminisation des titres de métiers et de fonctions où le Québec a été un pionnier. En 1976, la ministre Lise Payette est la première femme élue qui demande à se faire appeler Madame la ministre plutôt que Madame le ministre. La société québécoise était tout à fait prête à ce genre de changement, ce qui fait que très rapidement, l'Office québécois de la langue française va publier une liste de mots, de titres de féminin, donc les titres masculins et les équivalents féminins. Et tout ça va se faire très, très rapidement au Québec sans avoir besoin de consulter les autres francophones. La Belgique et la Suisse vont suivre assez rapidement, mais ça va être beaucoup plus lent en France. Par exemple, en France, donc, Lise Payette, à partir de 1976, se fait appeler la ministre. Dans le Petit Robert, jusqu'en 1987, on dit encore que ministre n'est un mot que masculin. Et dans la plus récente édition du Robert, on donne encore l'exemple Madame la ministre ou Madame le ministre. Ce qui veut dire qu'en France, une femme peut encore être Madame le ministre, alors que ça fait 46 ans au Québec que cette forme est tout à fait disparue et impossible à trouver dans les journaux, dans l'actualité. Personne ne dirait Madame le ministre. Et si un étudiant osait écrire Madame le ministre, il aurait une faute, c'est bien évident. Donc, on voit des standardisations, des normalisations, des usages qui se sont implantés différemment en France et au Québec. Mais comme je vous le disais, il faut tenir compte des autres francophones aussi. Et la Suisse a une façon de faire aussi, la Belgique aussi. En fait, tout le monde, sauf la France, féminise assez rapidement. Bon, l'autre élément incontournable dont il faut bien parler, c'est le rapport aux anglicismes. Parce que le Québec étant entouré de 370 millions d'anglophones et forcément particulièrement inquiet et particulièrement vulnérable par rapport à l'influence de l'anglais. Et donc, on a un rapport à l'anglais très différent de la France qui n'est absolument pas menacée par l'anglais. Donc, on a énormément au Québec d'anglicisme dans notre langue familière, mais on évite que les anglicismes accèdent à la langue standard, alors qu'en France, c'est l'inverse. Quand il y a des anglicismes dans la langue standard, c'est vu comme une forme de prestige, alors qu'ils n'en ont à peu près pas dans leur langue familière, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de contact avec l'anglais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un anglicisme arrive dans la langue française, bien, il y a des organismes d'officialisation qui essaient de proposer un équivalent français. Alors, il y a en France la Commission d'enrichissement de la langue française. Il y a au Québec l'Office québécois de la langue française. Ce sont les deux seuls États de la francophonie qui proposent des équivalents français. La Suisse, la Belgique, les pays francophones d'Afrique, personne ne propose des équivalents français aux anglicismes, à part la France et le Québec. Une fois que l'organisme d'officialisation a proposé une forme française, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la forme française entre dans les dictionnaires et va dans l'usage après, ou c'est l'inverse? Bien, il faut que ce soit l'inverse. Il faut que ce soit l'usage, notamment les médias, qui prennent possession de cet équivalent et qui décident de le diffuser. Et s'il est diffusé, les dictionnaires vont pouvoir l'attester. Mais ce n'est pas au dictionnaire d'attester un mot s'il n'est pas encore répandu dans la langue. Alors, si on prend un exemple, par exemple, le mot « podcast » ou « podcasting », dès 2004, l'Office québécois de la langue française a proposé balado ou balado-diffusion. En France, en 2006, la Commission d'enrichissement de la langue française
a proposé Diffusion pour baladeur. Balado s'est implanté tout de suite au Québec. Diffusion pour baladeur, qui est beaucoup trop long, qui est une périphrase, donc qui déconstruit la... qui n'est pas un mot, mais plusieurs mots, on a l'impression de lire une définition plutôt que de lire un équivalent, n'a pas réussi à s'implanter en France. Ce qui fait qu'en 2020, la Commission d'enregistrement de la langue française a dit « on oublie diffusion pour baladeur, on va maintenant essayer, pour remplacer podcast, d'utiliser audio à la demande ou audio en réécoute ou audio de rattrapage ». Podcast est dans la langue depuis au moins 16 ans, ben 18 ans maintenant. En 2020, c'est beaucoup trop tard pour proposer une francisation. Le mot podcast est intégré dans la langue. Donc, c'est la différence entre la France et le Québec. Nous, on essaie de proposer des mots rapidement avant que le mot anglais s'installe pour essayer de le remplacer, alors qu'en France, on réfléchit trop. On fait des comités, on consulte, et quand on finit par proposer un mot français, il est beaucoup trop tard et le mot anglais s'est déjà installé. Donc là aussi, on a une différence de standardisation, on a une différence de normes entre la France et le Québec, puisque les mots anglais entrent plus facilement dans la norme en France et ils entrent plus difficilement dans la norme au Québec. Alors, qu'est-ce que ça donne dans les dictionnaires? Ben, par exemple, le mot « podcast » est tout à fait bien défini dans le Petit Robert et se retrouve dans les trois articles qui parlent de cette réalité dans le Robert. Donc, si vous entrez dans « balado-diffusion », qui est le mot québécois, on vous dit qu'il est rare, sauf qu'il est courant au Canada, et on vous fait un renvoi vers podcast. Si vous rentrez dans audio, vous pouvez trouver audio à la demande, mais vous n'aurez pas de définition. Pour avoir une définition, vous devez aller sous podcast. Ce qui fait qu'en France, dans le Petit Robert, pour cet exemple-là, pour avoir une définition complète, on vous renvoie toujours à l'anglicisme parce que le mot français n'est pas entré dans la langue. Alors que si on regarde ce qui se passe dans Usito, c'est l'inverse. Si vous consultez le mot podcast, on va vous dire d'utiliser balado. Si vous utilisez balado, on ne vous dira pas d'utiliser podcast parce que balado est bien intégré dans la langue, parce qu'on ne fait pas la promotion des anglicismes et parce que comme le mot est bien intégré, on peut le définir, on peut l'exemplifier, on peut trouver des citations qui vont attester le mot. Donc, c'est une différence très, très importante avec un même point de départ et des organismes d'officialisation qui proposent des francisations. Les francisations s'intègrent bien au Québec, mais s'intègrent plutôt difficilement en France. Bon, donc là, on voit le travail de l'Office québécois de la langue française, mais ce n'est pas qu'une volonté gouvernementale de vouloir franciser les anglicismes et ce n'est pas une réalité nouvelle non plus. Donc, c'est le travail de l'Office répond ou peut s'appuyer sur la créativité des Québécois. Donc, dès le 19e siècle, dès que le Québec reprend contact avec la France, il se rend compte que ce n'est pas le même rapport à l'anglais en France et au Québec et qu'on utilise en France des anglicismes alors qu'on essaye de les franciser au Québec. Alors, au 19e siècle, comment est-ce qu'on disait « skating rink » en français? Et ce qui est intéressant, c'est que la créativité des Québécois continue au 21e siècle malgré l'existence de l'Office. Donc, au 21e siècle, comment dit-on « selfie » en français? Eh bien, au 19e siècle, en français, « skating rink » se disait « skating rink » en France. Mais au Québec, l'avocat et journaliste Alphonse Lusignan a proposé le mot « patinoire » sur le modèle de dortoir, en disant le dortoir est l'endroit où on dort, le fumoir est l'endroit où on fume, donc l'endroit où on patine, on pourrait l'appeler patinoire. Donc, le mot « patinoire » est né au Québec au masculin et a été utilisé au masculin jusque dans les années 1930. Et quand les Français se sont emparés du mot patinoire, ils ont décidé de le mettre au féminin.
Donc, il y a des mots comme ça, il y en a quelques-uns, où les Québécois ont proposé des mots français parce qu'ils ne voulaient pas utiliser les mots anglais, et ce, dès le 19e siècle. Donc, c'est important. Cette variation-là dans la norme, elle existe depuis longtemps. Aujourd'hui, est-ce qu'on dit selfie ou égoportrait? On dit selfie en France. J'imagine qu'on dit selfie chez vous aussi. Mais au Québec, le journaliste Fabien Denise a proposé égoportrait parce que on avait proposé autoportrait comme traduction française, mais il lui semblait manquer toute la dimension narcissique. Donc, il a créé un mot. Autrement dit, aujourd'hui, il n'y a pas que l'Office québécois de la langue française qui crée des mots français. Il y a aussi les individus qui peuvent intervenir dans la langue. Et l'Office québécois de la langue française a accepté égoportrait très rapidement et l'a entré dans son dictionnaire, le grand dictionnaire terminologique, dès 2014. Et je termine avec un autre exemple, le mot sociofinancement. C'est une entreprise qui a créé ce mot, qui est l'équivalent de crowdfunding en anglais. La France avait proposé financement participatif, mais cette entreprise qui fait du sociofinancement a proposé sociofinancement et s'est vantée d'avoir proposé sociofinancement, donc a mis sur son site fier créateur du terme sociofinancement et a même mis une définition sur son site. Donc, comme quoi la langue préoccupe vraiment les individus et que ce n'est pas seulement une affaire gouvernementale. Alors, je termine en disant que pour la langue française, comme pour le portugais, l'espagnol, on verra pour le roumain, un seul dictionnaire ne peut suffire à décrire l'ensemble des usages de la langue française et de la francophonie. Et au Québec, on est maintenant très, très autonome dans notre description de la langue. Donc, pour toutes ces langues, c'est plutôt une mosaïque qu'il faut construire. Et dans cette œuvre collective, chacun doit polir sa pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadine. Un message final molt interessant, certament. Ha entrat en joc la francofonia, hispanofonia, lusofonia, francofonia. I hem vist, en definitiva, una mirada molt interessant, no? Una mirada crítica sobre aquesta proposta de donar un sentit més propi, més creatiu, no? a la simple adopció dels anglicismes. Bé, moltes gràcies per la teua intervenció. I clourem amb la professora Ròdica Zafiu. És una lingüista romanesa, doctora i professora a la Facultat de Lletres de la Universitat de Bucarest, és molt reconeguda en l'àmbit acadèmic, però jo diria que també és molt coneguda en l'espai públic. Molt coneguda en l'espai públic pels seus articles setmanals sobre temes lingüístics, ja des de l'any 1990, sense interrupció durant 22 anys, en publicacions de prestigi com Romania Literària i Dilema. Bé, donant un cop d'ull al seu currículum, trobem una gran quantitat de publicacions, trobo unes línies de llengua molt vinculades també a la literatura, trobo una voluntat d'incidir en el món de l'ensenyament, algunes publicacions vinculades sobretot a la temàtica d'aquest seminari d'avui serien, per exemple, el llibre La diversitat estilística en el romanès actual o Sent una paraula és d'argot o encara La gramàtica bàsica de la llengua romanesa, etc. Per tant, tenim una persona que ens pot parlar, com he dit a l'inici, certament d'una llengua especial, d'una llengua especial que fa una evolució d'un alfabet ciríl·lic a un alfabet llatí, i bé, que té una casuística que ens interessarà moltíssim de conèixer. Professora Zafiu, té la paraula. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation et pour cette présentation. Je parlerai en français. Je m'excuse de ne pas pouvoir parler en catalan. J'espère qu'on voit la présentation, oui, et qu'on la... Oui, je peux continuer.
Oui, on voit la deuxième page parce que parfois, oui, merci beaucoup. Donc, pour parler de la standardisation lexicale en roumain, j'ai pensé que je dois commencer un peu avec des explications historiques sur la diversité des régions et les idéologies des siècles passés, sur une tendance vers la centralisation. Je veux parler un peu, parce que c'est un des aspects les plus intéressants du cas de la soi-disant langue moldave, qui pose des problèmes très intéressants surtout pour le lexique. Et après, sur d'autres questions qui visent les attitudes à présent vers les anglicismes, les terminologies, mais certainement, ce sera une présentation assez brève. Donc, comme pour l'aperçu historique, je dois préciser qu'en roumain, il y a des traditions linguistiques régionales. L'État roumain est une création assez récente du 19e siècle et la standardisation explicite, elle aussi, est relativement tardive. Les grammaires, les dictionnaires normatifs apparaissent au 19e siècle. Bien sûr, on parle d'une standardisation implicite, de la norme implicite, par des modèles de prestige, par les traductions religieuses à grande diffusion, qui se manifestent dès la fin du 16e siècle, mais dans des régions et des États et des formations politiques différents, avec des traditions discursives dont on a parlé ici, diverses, différents. En même temps, il y a eu des contacts et des échanges culturels permanents, donc on parle des différences pas très grandes et des cas de collaboration. Par exemple, la première traduction intégrale de la Bible, ici c'est une erreur, c'est le 17e siècle, j'ai fait l'erreur d'un chiffre, est apparue à Bucarest, mais en utilisant des traductions antérieures de Transylvanie et de la Moldavie. Vous avez ici la carte actuelle de la Roumanie avec les régions historiques. Pour simplifier les choses, on parle d'habitude de Moldavie, Valachie et Transylvanie, où en linguistique, on parle des dialectes du sud et dialectes parlés du nord, avec une différence assez plus grande entre le parler de Valachie et tous les autres. À la base du roumain standard, on a les dialectes du sud, avec une contribution variable des autres variétés régionales. Mais je disais que ces variantes ne sont pas tellement grandes, elles se manifestent surtout au niveau phonétique et au niveau lexical, mais n'affectant pas gravement l'intercompréhension. Ni dans le passé, ni à présent, il n'y a pas des difficultés de communication entre les différents parlés. En plus, la littérature moderne, celle qui commence au 19e siècle, a conservé une forte empreinte régionale, surtout dans le lexique. Et de suite, le lexique régional a acquis aussi un prestige littéraire dans beaucoup de situations. Le résultat est qu'on a en roumain des synonymes régionaux et qu'on a développé au 19e siècle une assez forte idéologie nationale, celle qui visait en tout cas l'unité
éviter la création d'un État national, une idéologie qui impliquait aussi l'idée du trésor lexical. Donc, toutes les variantes, tous les synonymes étaient bonnes à créer ce trésor national. Donc, elle méritait d'être, de faire partie de la... du vocabulaire général. L'effet dans la recherche linguistique a été aussi un développement assez vite de la dialectologie roumaine, la présence des atlas linguistiques, et je voulais vous faire un exemple avec... Avec cette diversité, le mot qui désigne la neige et qui, en effet, ce sont trois mots différents, plus ou moins dans les régions historiques. C'est Zapad dans le sud, Omot au nord-est et Na, le seul qui continue le latin. À l'ouest, en Transylvanie, et dans une partie de la Transylvanie. Dans les dictionnaires actuels du roumain, il est intéressant de voir le reflet de cette diversité. Par exemple, on a ici le dictionnaire le plus connu, le plus consulté pour le roumain. Il a une version en ligne aussi. Où Zapad est le terme neutre et celui du sud qui est devenu la norme, le standard national. Mais dans le cas de Nea, par exemple, on a une étiquette assez complexe, vieillie, régionale et poétique, et dans le langage poétique. Dans le cas de Omot, pour le sens général, l'étiquette est populaire et pour un sens plus spécial, régional. Donc, on arrive à un dictionnaire qui est le principal instrument normatif pour le roumain actuel, mais qui ne nous intéresse pas tellement pour le lexique. C'est le dictionnaire orthographique, orthoépique et morphologique du roumain. Qui fixe la norme, évidemment, pour l'orthographe, la prononciation et la morphologie, et qui est très ouvert vers la variété lexicale. Donc, beaucoup de mots dialectaux, beaucoup de mots vieillis même, apparaissent dans ce dictionnaire, même s'ils ne peuvent pas être vraiment... soumis à une standardisation. Dans ce dictionnaire qui est arrivé à la troisième édition l'année dernière, on trouve Zapad sans aucune étiquette, Nea dans l'édition précédente vieillie et régionale, dans l'édition actuelle, on a renoncé à l'étiquette régionale, Omot est resté populaire. Je vais m'arrêter un peu sur la différence entre ces étiquettes. Vous avez ici un autre exemple de l'atlas linguistique. On ne voit pas très bien, mais ce sont tous les points où on a un autre exemple de diversité assez bien marqué entre deux formes pour Rhin, Rhinik au sud, Rerunk au nord. Tous les deux sont hérités de variantes des mots latins. Dans le dictionnaire que je présentais, le dictionnaire normatif par excellence, vous voyez, il y a beaucoup de mots. J'ai pris une image, un fragment de page où on voit que presque tous les mots sont populaires, régionales et
un autre qui n'a pas d'étiquette. Donc, dans le dictionnaire normatif, il n'y a pas seulement des mots standards, mais il y a toujours cette idée de trésor, d'ouverture vers toutes les variantes populaires et régionales. La même chose dans les dictionnaires de synonymes. Vous avez ici le plus grand dictionnaire de synonymes du roumain, où la sélection est toujours aussi ample, avec les mêmes étiquettes, parfois avec les indications sur les régions plus précises. Un fragment de ce dictionnaire, on ne va pas probablement très bien, mais on retrouve le populaire, régional, Moldavie et tout le reste. Je dois préciser que dans la tradition lexicographique roumaine, on utilise populaire, le terme populaire, de manière conventionnelle si un mot se retrouve dans plusieurs régions. C'est une convention connue par les lexicographes, pas toujours évident pour le grand public. Plus compliqué est la position du terme régional. Et ici, on doit probablement analyser les conditions de l'utilisation de ce terme, parce que d'un côté, on peut l'attribuer à la prudence. Parfois, les lexicographes ne sont pas sûrs sur la diffusion d'un terme, pensent qu'il peut être retrouvé dans d'autres régions. De notre côté, il est très possible de retrouver dans ce terme aussi un présupposé idéologique. Parce qu'à un certain moment, l'idéologie de l'unification du roumain a fait si que on évitait de donner les indications précises sur les régions. Pendant la dictature, les années très centralisées, même les prévisions météorologiques évitaient de nommer les diverses régions du pays. Donc, le terme régional peut avoir plusieurs explications. Bon, je passe à un autre problème, toujours historique, un exemple historique de purisme et de prescriptivisme dans le lexique. Et je dois dire un prescriptivisme qui a eu de succès, parce qu'il était en grande partie convergent avec la direction politique, avec la direction de la mode de tous les jours. En fait, dans la deuxième moitié du 19e siècle, la Roumanie a traversé un moment de modernisation politique, culturelle. Et l'orientation vers l'Occident s'est manifestée aussi dans le plan linguistique. C'est l'époque où on a emprunté de manière massive, délibérée, des mots, des expressions, des structures aux langues romanes, surtout au français et à l'italien, parce qu'il était mieux connu, il y avait des contacts plus forts, mais en même temps au latin, qui était un peu le repère culturel. Le discours prescriptif de l'époque parlait d'une récupération d'un droit d'avoir accès à la langue mère et aux langues sœurs. En même temps, on a eu beaucoup de réformes orthographiques, mais l'essentiel a été le passage de l'alphabet cyrillique à l'alphabet latin. C'était aussi le moment de la création de l'Académie roumaine. Donc, tous ces facteurs ont conduit aussi à... Ici, vous avez un exemple qui ne concerne pas le
le vocabulaire, mais qui donne une idée sur cette période de changement. L'orthographe de transition pour habituer le public. Certains journalistes roumains ont eu l'idée de mélanger les lettres cyrilliques avec les lettres latines et de créer une espèce de passage de transition lente d'un alphabet vers l'autre. Le changement massif de vocabulaire était conscient, était une création culturelle en grande partie qui utilisait des formules spéciales d'adaptation qui combinaient sens et formes du latin, du français et de l'italien, en produisant quelque chose qui était plus similaire aux mots hérités vraiment et aux mots vraiment hérités du latin. Donc, en partant de libertas libertatis avec l'essence moderne de liberté et de libertà, le roumain proponait l'académie, les gens de culture proposaient le modèle libertate qui a été un de succès pour beaucoup, beaucoup de mots modernes. Et vous avez ici d'autres exemples avec des suffixes bil, la variante roumaine pour bilis, blush et bile, ou une hésitation dans le cas des mots qui avaient en français et en italien la forme nazione. Le roumain a proposé deux variantes et il y a même maintenant une concurrence entre ces formes et parfois une spécialisation sémantique. Un cas extrême de sélection lexicale puriste dans cette période est visible dans le dictionnaire de l'Académie, un dictionnaire apparu dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui a séparé très clairement le dictionnaire proprement dit, deux volumes de dictionnaire, et un glossaire. Le glossaire était réservé aux mots d'origine non latine, mots du slave ancien, turc, non grec, et parfois même mots français s'ils ne se retrouvaient pas en latin. On a eu des recommandations très claires de substitution. J'ai choisi un exemple très commun, le mot d'origine slave nedejde, qui était courant jusqu'au 19e siècle et substitué par speranza, de l'italien speranza. Ce type de substitution a été très fort, très systématique, avec comme effet un changement radical du lexique standard et une rupture qui était ressentie comme très forte à l'époque, même bouleversante, entre la langue populaire et la langue de culture. Avec les publications, la presse, l'école, cette rupture n'existe pas maintenant, ou elle existe dans le sens que pour beaucoup de jeunes, les vieux mots, les mots régionaux ne sont plus accessibles. Le niveau moderne a été dominant. Vous avez ici un exemple de ce glossaire, exactement avec le terme DHD et le commentaire puriste, le commentaire prescriptif, mots slaviques qui sont tombés dans la désuétude et doivent être remplacés par speranza, sperare et
pour le reste. Et d'autres exemples où le commentaire était encore plus fort, barbarisme horrible qu'on ne sent plus, ou barbarisme totalement contraire aux lois de la langue roumaine. Ce type d'action n'a pas remplacé tout, évidemment. Beaucoup de mots sont restés comme mots de la littérature, comme mots de la poésie, avec un certain charme archaïque. Mais dans la langue standard, le changement a été assez fort. Un autre moment historique intéressant pour cette dynamique de la norme, de la prescription, et celle du période de la dictature, où on a eu au début une brève tentative de sélection idéologique du lexique. On préférait cette fois les mots d'origine slave ou les mots anciens aux mots internationaux, aux mots qui étaient plus évidemment liés au latin, au français. Par exemple, même les linguistes proponaient Ostern au lieu de soldat. Plus intéressant, je crois, c'était le fait d'une centralisation officielle, parce qu'il y avait la censure, le contrôle des textes publiés. On a fixé d'une manière assez forte la norme, et les variantes qui étaient très nombreuses avant se sont partiellement réduites. La dictature, évidemment, mettait l'emphase sur l'unification et imaginait la disparition des variétés régionales. Et j'arrive aussi à la question de la soi-disant langue moldave. Évidemment, il s'agit d'une variété du roumain, d'une variété qui a été isolée partiellement du roumain pour des raisons historiques, occupées par les Russes, faisant partie après de l'Union soviétique, et où il y a bien sûr des différences régionales, parce que c'est une des variantes historiques du roumain, avec des différences par rapport aux autres variantes, mais aussi beaucoup de différences culturelles dues surtout à l'influence politique, administrative russe. Ce qui est intéressant est que maintenant, dans l'espace de la République de la Moldavie, on ne peut pas encore avoir la liberté scientifique et la possibilité de reconnaître, par exemple, ce qui est différent par rapport aux Roumains, parce que, non parce que quelqu'un l'impose, mais parce que il y a une association très forte pour les parlants du roumain entre l'affirmation de la diversité et la dépendance du pouvoir de l'ex-Union soviétique ou de la Russie. Donc, de manière paradoxale, on préfère affirmer la dépendance du standard roumain, bien qu'il y a évidemment beaucoup de différences, parce que parler de différences signifierait continuer la politique de la soviétisation. Et on a des contrastes, des positions contrastantes en ce moment. J'ai choisi deux cas. Un dictionnaire qui affirme l'individualité de la variante moldave, un dictionnaire moldave-roumain qui en effet est une collection de mots régionaux qui existent aussi dans la variété du moldave de Roumanie, qui
Un dictionnaire qui n'est pas très, très bien fait du point de vue linguistique. Il exagère, il crée pour chaque sens des mots différents et parle d'une manière très violente de la mutilation de la variante régionale moldave qu'il nomme une langue séparée. Il proteste par exemple contre l'étiquette régionale qu'il considère que masque en roumain la diversité, l'individualité moldave. Vous avez ici un exemple de ce dictionnaire qui essaie de multiplier les différences d'une manière peu scientifique. Par exemple, perine, qui est une simple variante phonétique de perne, du terme standard, est répétée plusieurs fois avec des attestations diverses, en quelque sorte pour créer cette impression de multitude. La position contraire, celle qui accepte totalement la norme, le standard roumain de la Roumanie, on peut le voir dans ce dictionnaire, des erreurs de langue, même le terme est significative, un dictionnaire qui recommande la substitution de certains mots utilisés en République de la Moldavie avec des synonymes du roumain standard. Par exemple, abituriente devrait être substituée par candidate, abricos par caïs. Il ne s'agit plus tellement des mots populaires, mais des mots qui, en grande partie, proviennent sont dus à l'influence de la langue russe. Et ici, vous voyez les pages incorrect, ne recommandable, correct, recommandable, abricos, caïs, avec l'acceptation de la norme roumaine. Parmi les gens de culture, c'est la position préférée, au moins pour le moment, au moins parce que les conditions politiques, historiques sont celles du présent. Bon, très brièvement, je vais parler un peu de la situation actuelle des variantes lexicales en première place. Bien sûr, il y a des oscillations dans la standard. On a eu des oscillations dans la standardisation de l'oral ou des emprunts qui provenaient de plusieurs sources. Dans la tradition roumaine, on parle beaucoup de l'étymologie multiple, de même mot qui international qui est entré en roumain par plusieurs voies. Généralement, ces variantes ne sont pas associées à une perception identitaire. Elles sont seulement des variantes qui donnent un certain inconfort pour les parlants et qui font objet de la préoccupation des linguistes qui veulent les réduire. La linguistique prescriptif vise donc la réduction de ces variantes parce que la standardisation du roumain est assez récente. On a dans certains cas beaucoup de variantes. Par exemple, l'adverbe achigdera d'origine slave apparaît dans les dictionnaires historiques avec beaucoup de variantes. Achigdere, achigderele, achigderele, de suite. Dans le dictionnaire normatif, on a réduit cette diversité à deux variantes et on tend à la réduire à une seule. Dans d'autres cas, les mots proviennent en étapes diverses, différentes,
de plusieurs sources, je disais caractère ou caractère du français, du latin, mais il y a aussi la variante caractère qui était prise directement du néo-grec. Les formes que j'ai soulignées ici sont celles choisies par la nouvelle édition du dictionnaire normatif qui renonce à Apocalypse pour choisir Apocalypse, une oscillation de nature lexicale mais aussi morphologique, ou à perquisitie, qui est plus proche du français, de l'étymon français perquisition, pour la forme préférée par l'usage perquisitie. Il y a d'autres aspects que je vais seulement, comme ça, passer en revue. Je dirais que les tensions actuelles entre les variants régionales sont faibles. Elles se basent sur des stéréotypes, mais généralement, les stéréotypes sont de type phonétique ou morphologique, préférence par exemple pour le passé simple ou pour un certain marqueur discursif. Il n'y a pas on n'a pas de mots transformés en emblèmes qui seraient péjoratifs marqués de manière marqués de manière négative. Plutôt, on trouve en ligne, on trouve des lamentations des jeunes actuels sur la difficulté de lire les textes du passé, où les régionalismes et les archaïsmes se confondent. On doit aussi remarquer l'absence d'une action institutionnalisée. Dans le domaine de terminologie, il y a 2 décennies qui semblaient créer un début d'institutionnalisation. À présent, même l'association de terminologie, les banques de dates sont dans un état, disons presque, ils sont presque disparus. Et la terminologie est réglée de manière pluricentrique par chaque ministère, institution, sans une action centralisée, une action globale. Et en ce qui concerne les anglicismes, plus ou moins la même chose, la position dominante est de les accepter et de valider très vite leur choix, le choix du public et les effets de l'usage. Dans la dernière édition du dictionnaire, on a laissé entrer beaucoup d'anglicismes assez récents, bien sûr aussi selfie, dont on a parlé, after school, audiobook, Bitcoin et tout le reste. Il y a parfois des voix qui se lamentent, mais la position dominante parmi les spécialistes et parmi le grand public est de laisser la langue agir et constater après l'état, le résultat de cette action. Conclusion, je dirais que pour le roumain, la variation lexicale est largement acceptée et largement ignorée par le public. Elle ne devient pas à présent un objet de dispute. Mais en même temps, il ne semble pas générer des tensions identitaires. On va voir ce que va arriver. Je vous remercie pour votre attention. Excusez-moi si j'ai dépassé peut-être un peu le temps. Merci. Molto més, professora Safiu.
Molt interessant la intervenció. La planificació del corpus i planificació de l'estatus, la dinàmica glotopolítica condiciona també la ideologia, els criteris de l'establiment de la norma. Clar, és que hi ha hagut propostes de balcanització o d'eslavització, clar, amb una llengua, amb un lèxic, amb una abundància de mots de l'eslau, de l'hongarès, del turc, de l'alemany, del búlgar, no? I amb la qüestió del moldau, no? Amb el procés d'individuació del moldau. Bé, certament hem vist una realitat diferent a les realitats vistes amb anterioritat. Li agraeixo moltíssim l'exposició que ens ha fet. Per la meva part, és tot. Vull reiterar la meva gratitud més sentida als ponents per haver acceptat de participar en aquesta activitat i, per descomptat, els convido a assistir, si els ve de gust i poden, a la segona sessió on allò que han dit avui serà objecte de revisió. Cedeixo la paraula a Nicolau Dols, el president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que clourà l'acte. Doncs moltes gràcies, Miquel Àngel, tant per cedir-me la paraula com també per tot l'esforç d'organització i també de moderació avui. Muchas gracias, professor Lara. També muy obrigado, professor de Oliveira, mesmo si teve de ir para o aeroporto, como dice ele mesmo no chat. Merci, Nadine Vincent. Mulțumesc frumos realitzar desafiu a tots els que hi heu intervingut. Ha estat molt útil. Heu tocat temes que són molt importants per a nosaltres en aquests moments, sobretot perquè el tema d'aquesta sessió d'enguany ha estat al voltant de l'estandardització del lèxic i en aquests moments doncs nosaltres també ens estem preparant per començar les tasques d'un nou diccionari. Si han tractat temes de constitució de l'estàndard lèxic, temes de norma i regla, temes de varietats molt diverses, com en el cas del portuguès, i també és molt important per a mi, i vull felicitar els organitzadors, la Comissió d'Estandardització de la Secció Filològica, l'èxit de participants que hem tingut, no només pels quatre ponents, sinó perquè tot el temps han tingut més de 60 persones connectades i, a més, han cobert des de les Amèriques, òbviament des del Quebec, des de Mèxic i des del Brasil, fins a Romania, òbviament, però també, com he pogut veure a la llista de persones que ens seguien, també hem arribat fins a Rússia, que teníem una persona de Rússia, i naturalment participants de tots els països catalans, persones d'acadèmia, de la secció filològica, membres i tècnics, i també de les nostres universitats. És molt important, jo crec que tot el que s'ha dit és molt important, i també vull agrair la intel·ligència dels organitzadors que no ens deixaran així en l'aire, sinó que ja han previst que puguem treure fruit de tot el que s'ha dit avui.